président de l'université privée de Marrakech, donc je parlerai surtout de la recherche, le rôle de la recherche dans le développement justement de la santé et de l'environnement, de l'agriculture également, puisque l'agriculteur est concerné. Je voudrais aussi dire que ma présence et la présence de cet événement au Maroc, c'est justement pour montrer que le Maroc est capable, est devenu donc un modèle de développement et un modèle justement d'affrontement des difficultés sanitaires, qu'elles soient donc au niveau des tremblements de terre ou des maladies, des pandémies comme la Covid-19. Enfin, je pense que le Maroc est tout à fait, il mérite justement à ce que cet événement soit au Maroc et ça permet justement au Maroc de montrer ce qu'elle est capable de faire et également de montrer l'exemple du Maroc vis-à-vis surtout des pays africains. Marrakech in Morocco. I'm really thrilled and honored. I think it's a wonderful idea what the king arranged. Immediately the briefing after what happened in Marrakech, people are remembering everything, so it's a short time, you are doing everything. It looks to me that with your experience now you can teach the world what to do and how to do. It looks to me what I saw by far in the street, that nothing happened in Marrakech, and I really congratulate you for an excellent, excellent job that you did. Nashnawi, faculté des sciences Casa and Champ, Université Hassan II de Casablanca et présidente de la Fondation At-Tariq. Alors les sciences, bien qu'elles ne puissent pas, en fait, nous ne sommes pas des devins, mais la science intervient et de façon importante dans la réduction des risques naturels. Donc la géologie est là. Elle est dotée de tous les moyens pour bien prévenir contre les inondations, par exemple, bien prévenir contre les tsunamis, contre les séismes, parce que les études sont déjà présentes. On sait ce qu'il faut faire, on sait où sont les zones à risque. Ce qu'il y a à mettre en place, c'est simplement en fait qu'il y ait un respect des normes donc de construction, un respect de la prévention. Et puis il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est en fait la sensibilisation de la population et la sensibilisation des jeunes. Nos jeunes ne sont pas sensibilisés, notre population n'est pas sensibilisée, et donc ceci favorise en fait l'expansion de fake news, l'expansion de choses qui mettent qui font peur et qui ne sont absolument pas fondées. Si nous avions un minimum d'esprit critique scientifique qui est fait par la formation qui est faite en amont, eh bien, nous n'aurions pas tout à fait la même réaction par rapport aux informations qui sont véhiculées. Et donc, nous appelons et nous allons essayer de faire en sorte d'avoir des supports didactiques au niveau de At-Tariq Foundation pour faire cet éveil aux sciences, cet éveil aux risques naturels auprès des écoliers, des collégiens, des lycéens et du grand public. En français, d'accord. Donc, professeur Alik Tiani, je suis enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, en anesthésie réanimation, et je dirige le SAMU de Rabat depuis une dizaine d'années. Donc le résumé de la communication que j'ai dû faire aujourd'hui lors du panel, parler de l'expérience qu'on a vécue avec le CHU de Marrakech concernant la collaboration à distance en cas de catastrophe. Et j'ai essayé de mettre le point sur le fait que toutes les bonnes intentions qui veulent aider ne sont pas forcément productives. On a tous envie d'aider, on a tous envie de se déplacer, mais parfois, même avec de très bonnes intentions, on peut être contre-productif ou black, constituer un problème. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer des situations de catastrophe, il y a forcément de la préparation, il y a forcément de la formation, tout le monde ne peut pas aider, et il faut forcément respecter la demande des professionnels qui sont sur place, qui en l'occurrence, dans cet événement en particulier, les équipes, pas uniquement de Marrakech, mais j'ai parlé de Marrakech parce que c'est ceux avec lesquels on a travaillé, ont fait preuve d'une efficacité exemplaire, aussi bien le ministère de la Santé,
les services de santé des armées, les forces armées royales, la gendarmerie, la protection civile et l'ensemble des intervenants qui ont fait un travail exemplaire, qui ont fait que finalement, nous qui étions à Rabat, ils n'avaient pas vraiment besoin de nous. Et ils font de l'excellent travail et on les en félicite. Voilà.